The Paladins rejoiced. The warder's relics were secured, and with them, victory. Until he attacked. The most feared pirate of the 8 oceans, drawn to the ancient power the Paladins carry. On the open water, none could challenge Admiral Dredge. The Paladins were routed, the weapon seized for Dredge's treasure hoard. A dragon chooses its master, and Dredge was found lacking. He sank into the depths until he was leagues from the land of the living. But the pirate was far from death. The abyss bore Dredge back into the realm atop its horrid tentacles. The undead admiral sails the seas again, and none will take his treasure. Eh bien, hola amigos, c'est Superbug88, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo paladin, et aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement la mise à jour de paladin. Déjà on va commencer par l'événement, donc voilà, c'est un événement assez particulier, un événement qui se déroule dans les parties classiques. Donc déjà, on peut voir son aperçu. Le résumé s'appelle Peur du Noir. Donc il est écrit: depuis les abysses, des monstres repoussants remontent à la surface et envahissent le royaume. Débarrassez-vous de ces échos abyssaux avant qu'ils ne s'échappent et récupérez les doublons sombres qui relient leurs esprits à notre monde. Les marchands du bureau d'échange accepteront sûrement de vous les échanger. Toutefois, soyez vigilants, on raconte qu'un écho abyssal rare rôle dans la nuit. C'est Victor Loup-Garou. Le tuer vous rapporte un doublon doré qui s'échange contre des skins variantes de l'événement En eau trouble, disponible en édition limitée durant l'événement. Donc voilà, c'est le petit événement. Donc voilà, je vais vous présenter les petits skins. Donc déjà, il y a le skin Ying. Il y a le skin Ying, voilà. Le skin Ying, pas que funeste messagère. Donc là, je vous mets. Là, vous avez le skin. On a un avatar, funeste messagère. On a sans limite. On a une pose MVP. Donc voilà, c'est la pose que vous voyez là, exactement. Et ensuite, vous avez un artefact de Funeste Messa. Voilà, un artefact, c'est... je vais vous les présenter après. On continue avec le skin Chevalier du cauchemar pour Fernando. Moi, je le trouve assez stylé. Sérieusement, il est stylé. Moi, j'aime bien, ça fait un peu squelette. Un peu squelette, tout ce qui est partie du corps, enfin bref, moi je trouve c'est assez stylé. Donc bien entendu on a le skin, on a l'avatar Chevalier du Cauchemar, on a la pose MVP Colosse et on a l'artefact du Chevalier. Je vais vous montrer les artefacts comme j'ai dit tout à l'heure. On continue avec le skin Viviane Vampirisante. Oh là là, sérieusement, bien entendu, vous aurez le skin Vampirisante, vous aurez l'avatar Vampirisante, vous aurez la pose MVP Arrogante et vous aurez l'artefact. On continue. Alors, rien que pour vous dire, si vous achetez les 3 packs, et bien celui-là est offert. Donc voilà, celui-là est offert. Donc, pour acheter tout, il faut payer 1400 cristaux. Donc... quand vous achetez les 3 packs, et ben vous obtenez le pack Loup-Garou. Ce pack Loup-Garou contient le cadre Kraken, que vous voyez en bas à droite, au-dessus à droite, pardon. Le skin Loup-Garou, bien entendu, un skin permanent. Le pire des mers, c'est un titre en édition limitée. Mauvais signe, donc c'est un avatar qui bouge quoi, avec une espèce de pieuvre, de tentacule. Une clé de la chambre forte, oui, il y a bel et bien... une chambre forte, encore une fois, et la pose MVP sauvage. Alors là, je vais vous faire un petit aperçu de la chambre forte. Donc déjà, bien entendu, on a le nouveau skin, Dame de Fer. Donc comment ça marche la chambre forte? Quand vous avez le pack loup-garou, vous avez une clé de la chambre forte. Donc c'est une sorte de monnaie. Et là, vous avez votre choix. Voilà. Vous avez votre choix avec la clé, quoi. Avec une clé, vous avez le choix d'un skin. Mais d'un skin unique. Donc là, vous avez la Dame de Fer. Voilà, c'est stylé. Ensuite, il y a le skin Démonette de Miv. Voilà, je trouve aussi stylé. Les skins qui vont suivre là, ça va être les skins de l'ascension de Furia. J'avais pas fait une vidéo malheureusement sur celui-là. Ensuite, le skin Tira Archance. Donc voilà, je trouve aussi stylé. Il est très beau ce skin-là, surtout au-dessus de sa tête, l'espèce d'anneau. Et ensuite, pour le dernier, le pack déchu, enfin le skin déchu d'Androxus. Voilà, il est aussi stylé en même temps, il est stylé. Et puis voilà, on en finit avec la boutique. Alors la boutique, c'est cet espace-là. Donc là, bien sûr, les artefacts funestes, s'obtient en achetant les packs là. Voilà. À l'aide de ces funestes, vous pouvez débloquer un skin Recolor. Donc un skin Recolor, ceux qui ne savent pas, c'est un skin qui ressemble à un autre, mais sauf qu'il y a des petits détails qui changent. Les couleurs, les effets sonores, les effets visuels, et surtout aussi l'apparence du personnage. Donc là, on a la Ying, Banshee, voilà. Donc c'est la même Ying là, sauf sans casque quoi, avec d'une autre couleur. Donc voilà. Bon, celui-là il a pas de pack de voix, enfin c'est le même pack de voix que l'autre. On continue avec Rouge Sang. Donc voilà, c'est le même. Voilà, c'est un skin Recolor du chevalier quoi. Et Comtesse, le même skin de Viviane. Voilà. Mais d'une autre couleur. On voit bien que ça change quand même du skin. Et la grosse nouveauté de cette mage, c'est que en fait, vous aurez 25% de chance d'avoir un des deux skins, un des trois skins en forme de boss qu'il faudra tuer sur le point. Et si tu fais partie de l'exécution du boss, eh ben, tu obtiendras un troublon en argent. Un troublon en argent. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Voilà, des troublons. Voilà, il faudra des troublons pour avoir les skins là. Ou sinon, si vous avez la flemme, vous payez 1000 cristaux. Voilà, 1000 cristaux pour un skin. Ouais, voilà. Vaut mieux tenter sa chance dans les parties pour avoir gratuitement ceux-là. Mais moi, je ferai avec les parties, bien sûr. Voilà. Et après, ensuite, avec les troublons en argent, et ben vous pouvez débloquer des petits cosmétiques. Comme par exemple, le spray 3D Pavillon Pirate. La marque d'exécution Idole Blasphématoire. Voilà. Puis le spray Boue, Frayeur, quoi. Le spray Goal Lugubre, donc c'est un skin Genos. Ouais, il y a juste le masque qui change, quoi. Avec des cheveux bruns. Le butin de pilleur de tombe de Thorvald. Donc en fait, c'est une tombe qui est sur le dos de Thorvald. J'aime bien, c'est encore acceptable de porter cette chose-là. Ensuite, il y a le petit Andro de Rucus. Bon, on le voit pas très bien, mais il est à l'intérieur du robot. Voilà, enfin, il est déguisé en Androxus, quoi, le Rucus. Après, il y a Parasite de Ceris. Voilà, encore un truc. Encore quelque chose, voilà. Il y a le Hurlement d'Androxus. Voilà, c'est qu'il y a un masque, quoi. Un petit masque blanc. Et après, vous avez de la monnaie. 1000 or, 10 000 or. Voilà. Voilà. On en a fini avec les récompenses de l'événement. Et après, ensuite, on va dans la boutique. Parce que ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. Et ben, le coffre, la petite boîte aux horreurs est de retour dans la partie coffre. Sauf qu'il y a des choses qui sont améliorées déjà. Il y a une nouvelle émote. Donc là, les émotes que je vais vous montrer, le mode camouflage, petit Tremelstein troublante, c'est des émotes où on pourra bouger. On pourra se déplacer en même temps faire des émotes. Voilà. Comme par exemple, l'émote... impassible. Et ben on pourra se déplacer quoi. Voilà. On pourra se déplacer tranquillement quoi. Hein. Voilà, tranquillement. Donc les skins en question et mode camouflage de Koga. Bon, il est stylé, j'aime bien. Il y a petit de Furia. En fait, si vous n'avez pas compris, qui donne des bonbons. Après, il y a Tremelstein, donc en fait c'est Frankenstein. Au lieu de Frankenstein, bah ils ont mélangé avec Terminus. Donc là c'est Terminus en mode de Frankenstein, quoi, comme ça. Et après il y a Troublant, donc une émote qui revient, qui était avec l'ascension de Furia. Donc voilà. Donc pareil, voilà, ces quatre émotes là, on peut se déplacer avec. Bon, cauchemar, ça c'était déjà avant. Il y a le nouveau skin, Talus, déguisé. Donc voilà, ouais, il est sympa, j'aime bien. J'aime bien encore. Après ensuite, la pierre tombale, la marque d'exécution qui était dans le Battle Pass est maintenant de retour. Donc voilà, la tombe rip quoi. Voilà, voilà. Il y a quoi d'autre? C'est tout. Voilà. C'est tout. C'était Superbug88 et je vous dis ciao.